Coucou tout le monde, c'est Bonjour et bienvenue à chacun de vous, j'espère que vous allez tous vraiment très bien On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble deux cartes de Noël, deux cartes shaker un petit peu originales, vous allez voir Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti Je vais commencer par faire un fond de carte avec ces aquarelles liquides que j'ai trouvées chez Action. J'ai trouvé deux boîtes comme celle-ci, une dans les tons roses et une dans les tons bleus, alors je ne sais pas s'il y en avait d'autres... Euh, moi, la fois où j'ai trouvé ça, il n'y avait que deux boîtes. Donc j'ai pris les deux et je suis vraiment très contente de ces couleurs. Là, ça va du vert jusqu'au violet et c'est vraiment de très très jolies couleurs. Pour faire ce genre de fond, il vous faut prendre du papier aquarelle, parce que si vous prenez du papier normal, eh bien, ça ne supportera pas l'eau. Donc il vous faut du papier aquarelle. Et puis ce que je fais tout simplement, c'est que je dépose un petit peu d'eau avant de déposer ma couleur. Comme ça, ça permet à la couleur d'aller se diffuser facilement sur le papier. Et puis je vais simplement aller appliquer mes couleurs, les unes à la suite des autres. Donc je commence par le violet, puis je mets du bleu, puis ensuite je reviens un petit peu avec le violet pour travailler la transition, et puis ensuite je mets du vert, et à nouveau je travaille la transition pour avoir un joli dégradé. Je suis désolée, là c'est un petit peu flou, mais ne vous inquiétez pas, ça va se régler assez vite. Donc j'ai déposé toutes mes couleurs, et puis ensuite soit vous pouvez attendre que ça sèche tout seul, soit vous êtes comme moi et vous êtes un petit peu impatient. Et vous pouvez prendre votre outil pour embossage à chaud et utiliser ça pour sécher votre projet. Et voilà ce que ça donne. Donc il faut savoir que lorsque l'aquarelle est sèche, les couleurs sont moins intenses, elles sont moins vibrantes, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Mais elles restent vraiment très jolies quand même. Ensuite, je prends mon Wink of Stella, donc c'est ce feutre-là qui dépose des paillettes sur vos projets, je le presse sur mon bloc acrylique, j'en fais sortir une goutte ou deux, et puis à l'aide de mon bloc acrylique, je dépose des petites gouttelettes de partout. Ensuite, je prends un sopalin pour absorber l'excédent. Et voilà ce que j'obtiens. Regardez comme ça brille. C'est vraiment très joli. C'est un fond que j'ai fait tout rapidement grâce à ces aquarelles liquides. J'ai simplement déposé de la couleur comme ça venait. Et avec un petit peu de brillant, eh bien, c'est tout de suite très sympa. Alors, ensuite, pour mon personnage aujourd'hui, j'ai choisi cette planche de tampon de chez My Favorite Things. Alors, bon, moi, j'ai pris ça. Vous prenez vraiment ce que vous voulez, ce que vous avez chez vous. Pour ma carte d'aujourd'hui, j'ai choisi ce petit pingouin là. Donc je vais vous montrer très rapidement comment j'ai fait la colorisation. Donc j'ai pris mes feutres à alcool et puis je commence par déposer ma couleur la plus foncée. Ensuite je prends une couleur un petit peu plus claire et puis je travaille la transition avec la couleur foncée jusqu'à ce que les deux couleurs soient bien fondues l'une dans l'autre et puis ensuite je finis en général avec la couleur la plus claire. Et là c'est pareil, je retravaille les transitions avec la couleur précédente. Donc en général avec les feutres à alcool je travaille du plus foncé vers le plus clair. Mais ça marche aussi dans l'autre sens hein, si vous préférez. Vous faites ce qui marche pour vous. Donc là je vais colorier son petit bonnet en violet pour faire un rappel avec les couleurs de notre fond puisque sur le fond j'avais commencé tout en haut avec du violet. Et voilà. Ensuite pour me faire un petit décor je prends ce feutre noir que j'ai acheté chez Action donc j'ai pris la quatrième taille de ce set. C'est marqué 0,3 mm donc pour la taille de la pointe. Et puis je vais aller rapidement me faire un petit décor avec des petites collines et puis quelques sapins. J'avais vu une carte sur internet avec un décor un petit peu comme celui-ci que la personne avait fait avec des tampons, mais moi je n'avais pas ces tampons et je me suis dit que c'était pas si compliqué à faire finalement. Donc je me suis dessiné mon petit décor moi-même. Ensuite, je le colorie vite fait avec des feutres à alcool. Donc j'ai choisi deux teintes de vert pour faire un petit dégradé juste pour donner un petit peu de vie dans ces arbres. Et puis c'est tout, voilà tout simplement. Donc mon fond de carte, je l'ai redécoupé à la bonne dimension. J'essaye de vous remontrer tout le brillant là. Il me plaît vraiment beaucoup ce petit fond. Le Wink of Stella il n'y a pas son pareil pour rajouter du brillant sur un projet. Ensuite j'ai découpé aussi les collines que je viens de réaliser et elles iront se mettre là en bas de mon projet. Et mon petit personnage, il va se mettre au milieu, là, sur la neige. Voilà. Voilà pour mon décor. Alors maintenant, on va passer à la réalisation de ma boule à neige. Pour ça, je prends deux dies ronds que j'ai attachés l'un avec l'autre. Et vous voyez, le plus grand, il fait environ 8 cm de diamètre. Je les ai fixés les deux ensemble et j'ai été découpé avec ça plusieurs fois du papier blanc dans ma big shot. J'ai découpé 5 ronds blancs et voilà, ça me donne 5 petites couronnes comme celle-ci. Et puis j'ai également été découpé ça dans du papier un petit peu beige métallisé, assez sympa, aussi acheté chez Action d'ailleurs. Donc je l'ai découpé une fois de plus dans le beige. Ensuite, je vais aller séparer à nouveau mes deux dies pour ne garder que le plus grand. Le plus petit, j'en ai plus besoin, je l'enlève, je garde le plus grand. Et puis je prends du rhodoïde. Donc voilà, ça c'est de l'acétate, du rhodoïde, du plastique transparent. Et je prends celui-ci parce que comme il n'est pas trop épais, eh bien il se découpe facilement même dans la Big Shot. Alors pour tous ceux qui ont des problèmes à découper le rhodoïde dans votre machine de coupe, eh bien je suggère ce rhodoïde là. Moi je n'ai pas eu de problème à le passer dans la machine de coupe. Vous rajoutez simplement un ou deux papiers pour rajouter de l'épaisseur, ça rajoute de la pression et ça coupe sans problème. Donc je vais prendre ce grand aille-là et découper un cercle de rhodoïde avec celui-là. Et comme j'ai découpé ça avec le grand, il va pouvoir donc aller s'adapter sur les autres cercles. Si j'avais découpé avec le plus petit, eh bien ça aurait été trop petit. Donc ensuite je vais aller simplement coller tous mes cercles les uns sur les autres. Tous les blancs d'abord. Hein. Ce que je veux c'est simplement obtenir du volume. En collant cinq cercles les uns sur les autres, eh bien je vais obtenir un cercle épais qui sera donc en volume et ça va me permettre donc de faire une fenêtre shaker avec ça. Si vous avez de la mousse pour travaux manuels, c'est encore mieux. Vous le découpez une seule fois dans la mousse et c'est fait. Donc une fois que j'ai collé tous mes cercles blancs, eh bien je vais coller mon rhodoïde par-dessus tout ça. Donc pour coller le rhodoïde, j'aime bien utiliser ma colle glossy accent. Je trouve qu'elle marche vraiment très bien pour ça. Et puis il faut lui laisser le temps de sécher. Donc je compresse le tout avec mon bloc acrylique un petit moment. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, je rajoute ma dernière couche, donc mon cercle beige par-dessus tout ça pour cacher la colle qui est sur le rhodoïde et puis pour bien finir le tout. Voilà. Donc voilà ce que j'obtiens, vous voyez, et c'est en volume. Il va y avoir de la place pour mes sequins à l'intérieur. Donc maintenant, je vais pouvoir aller finir ma carte et assembler tout ça maintenant que j'ai tous mes éléments. Donc, je prends mes collines enneigées. J'y mets de la colle au dos. Je n'oublie pas de mettre de la colle au dos de chaque sympa également pour qu'il soit bien collé. Et puis, je mets ça au bas de mon panneau. Voilà. Je n'ai plus qu'à couper ce qui dépasse sur le côté. Étant donné que j'avais fait mes collines un petit peu trop grandes. Voilà. Ensuite, le petit pingouin, il va aller se mettre au milieu de tout ça sur la neige, comme ceci. Et puis, mon cercle pour le shaker, il pourra se positionner à cet endroit-là. Je le mets en place pour savoir où il va tomber, et comme ça, ça me permet d'aller coller ma salutation en haut, au-dessus du cercle. Donc, ma salutation, c'est simplement un petit Merry Christmas que j'ai tamponné et embossé avec de la poudre blanche, tout ça sur du papier noir. Ensuite, pour encore un petit peu plus de brillant, je colle quelques étoiles sur le fond. Et puis ensuite, dans le même papier beige que tout à l'heure, j'ai été découpé un trapèze avec un petit arrondi sur le haut. Un arrondi qui n'est pas très prononcé, il est assez discret. Et puis au dos, j'y ai mis de la mousse 3D, comme ça il pourra aller se coller là-dessous et ça donnera donc la forme d'une boule à neige. Voilà. Alors avant de coller tout ça, il va falloir aller mettre les sequins. Donc j'ai choisi des sequins un petit peu transparents. Et j'essaye de ne pas en mettre trop parce que j'ai pas envie non plus que s'il y en a trop dans le shaker, ça cache complètement mon image. J'ai quand même envie qu'on voit mon petit personnage. Donc j'en mets suffisamment mais j'essaye qu'il n'y en ait pas trop. Et puis j'ai aussi ces tout petits confettis blancs là que j'ai fait avec mon poinçon. Et donc j'en mets également. Comme ça il y aura un petit peu de neige à l'intérieur. Voilà. Donc je mets tout ça bien au centre sur mon personnage. Et puis comme ça, je peux aller coller mon cercle autour de ça. Voilà. Donc maintenant, je peux retirer la protection de mon trapèze là. Et aller coller ça dessous la boule en chevauchant un petit peu la boule par-dessus. Voilà. Voilà ce que ça donne. Un petit shaker assez original. Donc on a un shaker qui est donc cette boule à neige. Mais on a aussi un décor continu à l'arrière. Je vais prendre ce panneau et je vais aller le mettre sur une base de carte. Donc ma carte, elle a la même taille que mon panneau. C'est une carte de taille à 6, environ 10,5 x 15 cm. Je mets du double face au dos de mon panneau et puis je colle ça sur ma base de carte. Et voilà, ça y est. Et voilà, voilà pour la première carte aujourd'hui. Je vous la remontre d'un peu plus près. Alors, comme d'habitude, bien sûr, c'est juste une suggestion pour vous donner des idées et vous adapter ça comme vous voulez. Les produits spécifiques pour cette carte en particulier, c'est vraiment les deux dies ronds pour faire la boule à neige, mais je pense que la plupart d'entre vous ont ça chez eux. Après, pour la salutation et le personnage, vous faites comme vous voulez avec ce que vous avez chez vous. Voilà. Donc voilà pour la première carte. Allez, je vais vous en montrer une deuxième, une carte clean and simple, mais une carte originale en même temps, vous allez voir ça. Alors pour cette carte, je prends ma base de cartes et je prends un panneau blanc supplémentaire qui a exactement la même taille que ma base de cartes. Vous voyez, ils se superposent parfaitement sans problème et à vrai dire, je vais les laisser superposer. Je vais même les fixer ensemble pour qu'ils restent bien superposés l'un avec l'autre. Et je vais prendre ce dice rectangle. Vous voyez qu'il fait environ 5 cm x 6,5. Moi j'ai pris ça, vous prenez ce que vous voulez, vous pouvez prendre un rond, un carré, un rectangle, ça n'a pas d'importance. J'ai pris ça pour figurer une fenêtre et je vais aller le placer là vers le bas parce que j'ai envie que ma salutation soit en haut et puis j'aurai aussi besoin que mon réservoir soit en haut, vous allez comprendre. Donc je la place un petit peu sur le bas de mon projet et puis je vais aller fixer ça. Et puis je vais aller mettre le tout dans ma Big Shot, dans ma machine de coupe, les deux ensemble. Et du coup, j'en retire une base de carte qui est percée, avec un autre panneau blanc qui est également percé, exactement au même endroit, on peut les superposer, et les ouvertures tombent pile poil l'une en face de l'autre. Donc c'est parfait, on continue. Je vais mettre un tout petit peu de décor sur ce panneau blanc là, et pour ça, je prends ce pochoir avec des briques, je prends une encre grise. Et je vais aller très légèrement déposer de l'encre grise sur ce panneau. Alors, je pars du centre, je pars de la fenêtre pour aller en dégrader vers le blanc à l'extérieur, tout autour. Mais j'essaye de que ce soit quand même très léger. J'ai pas envie que ce soit foncé du tout. Je veux juste un tout petit quelque chose, voilà, comme ça, pour habiller mon panneau. Et là, comme ça, ça me convient. Ça suffit. Ensuite, je retourne ce panneau là. Et au dos, je vais aller lui coller du rhodoïde, donc pour fermer la fenêtre qui est ouverte. Donc je reprends ma glossy Accent, j'en mets tout autour de la fenêtre et poum, je colle le rhodoïde par-dessus tout ça. Voilà. Ensuite, je vais aller utiliser de la mousse pour entourer cette fenêtre pour pouvoir faire mon shaker. Mais vous voyez que sur le bas, je le mets bien au droit de la fenêtre, sur les côtés aussi. Mais tout en haut, je laisse un espace parce que je vais avoir besoin d'avoir un endroit pour le réservoir. Le réservoir à neige. Donc voilà ce que je vais utiliser pour le shaker, c'est donc ces petits confettis que j'ai découpés avec mon poinçon, ils sont vraiment tout petits, ça va assez vite à découper, j'ai plié plein de feuilles de brouillon les unes avec les autres, j'ai utilisé la plus petite taille de mon poinçon, j'ai perforé, perforé, récupéré ce que ça donnait et voilà des petits confettis. Si vous n'avez pas de confetti chez vous, vous pouvez prendre des grosses paillettes par exemple, ça sera très bien aussi, mais moi j'en avais pas, j'avais pas de paillettes. Et je vais prendre mes petits carrés de mousse 3D, les couper en deux pour qu'ils soient plus petits, et je vais aller les déposer là au-dessus de la fenêtre, en laissant un espacement les uns entre les autres. Alors ces petits morceaux là, espacés les uns avec les autres, ça va permettre de ralentir le flot, et ça va permettre que mes confettis coulent petit à petit. Si vous voulez que ça coule plus vite, vous faites que l'espacement entre ces petits carrés là, il soit plus grand, plus large. Vous les espacez plus les uns par rapport aux autres. Si vous voulez que ça coule moins vite, eh bien, vous les espacez moins. C'est tout. Donc mes confettis, eh bien, ils vont se mettre là, tout en haut, au-dessus de ces petites butées. Donc je remplis le réservoir, et puis ensuite je vais aller prendre un autre morceau de rhodoïde, qui cette fois est plus grand que le premier, puisqu'il doit couvrir la fenêtre et également le réservoir. Donc, j'enlève les protections et puis je vais aller coller ça par-dessus, voilà, pour sceller le tout. Donc, voilà ce que j'obtiens. J'ai mes confettis là-haut dans le réservoir qui sont emprisonnés à l'intérieur et lorsque je secoue la carte, hop là, eh bien, ils vont aller tomber tranquillement comme de la neige qui tombe par la fenêtre. Je vous le montre des deux côtés pour que ce soit bien clair et vous voyez qu'ils vont donc tomber comme de la neige et s'accumuler sur le bas de la fenêtre. Alors à l'horizontale c'est un peu difficile de vous montrer, c'est vrai que ça coule mieux à la verticale et puis une fois que c'est tombé, eh bien vous pouvez aller les remettre à nouveau dans le réservoir si vous avez envie, il suffit de secouer dans l'autre sens. Voilà. Je trouve que c'est un shaker original et ça change vraiment un petit peu de ce qu'on a d'habitude. Parce que là on ne s'y attend pas au shaker en fait. Il est caché, il est surprise et quand on secoue la carte, hop là, eh bien il y a de la neige qui tombe à la fenêtre. C'est sympa, non? Ensuite je vais mettre un petit peu de couleur à l'intérieur de ma carte puisque ça va aller se voir au travers de la fenêtre. Donc j'ai pris une encre distress oxyde bleu clair et j'ai fait un petit dégradé qui part du centre et qui va en se dégradant vers l'extérieur. Hors écran, j'ai été préparé un petit personnage que j'irai coller au milieu de ma petite tache de couleur. Et puis pour rajouter encore un petit peu de vie à tout ça, je fais des petits points blancs et des petits points noirs. Alors là, c'est vrai que ça se voit pas très bien à l'écran. Mais je trouve que ça rajoute un petit quelque chose et j'étais assez contente du résultat. Donc voilà. Je vais coller maintenant mon personnage sur cette tache de couleur à l'intérieur de ma carte donc. Et donc il se verra au travers de la fenêtre et également quand on ouvrira la carte. Maintenant, je n'ai plus qu'à coller mon panneau sur ma base de carte. Donc je remets de la mousse tout autour là où il n'y en avait pas. Voilà. Et puis, il faut coller ça bien en face en superposant les deux fenêtres l'une avec l'autre. Voilà. J'ai refait la même salutation que pour la carte précédente. Et je vais coller ça avec du glossy. Et j'ai décidé de ne rien rajouter de plus sur cette carte. De la laisser toute simple comme ceci. Sans brillant. Clean and simple. Allez, je vous la remontre de plus près. Je la trouve très originale cette carte, j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Voilà, quand on ouvre la carte, il y a de la place pour écrire au-dessus du personnage. Donc là, pour le moment, on ne voit rien, on ne sait pas que c'est Shaker. Mais si on secoue, hop, on s'aperçoit que la neige tombe à la fenêtre. Et elle va aller s'accumuler sur le bas de la fenêtre. On peut secouer, secouer, et puis on pourra ensuite la secouer dans l'autre sens pour recommencer si on veut. Et voilà donc pour un Shaker surprise. Ça change un peu, non? En tout cas, il va falloir que vous me disiez laquelle de ces deux cartes vous préférez. Le shaker avec la boule à neige ou le shaker surprise caché avec la neige qui tombe à la fenêtre? Vous pouvez me dire ça dans les commentaires sous la vidéo. J'espère vraiment que ce projet vous a plu aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles cartes de Noël. En attendant, prenez bien soin de vous, prenez soin de tous ceux qui vous entourent, et puis scrapez bien. Je vous dis à très vite. Gros bisous, au revoir.